Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va terminer notre cours sur les schizophrénies. Donc, la dernière fois, on avait vu, on est arrivé au chapitre diagnostic différentiel. Pour la phase aiguë, pour le début aigu, le premier diagnostic différentiel se fait avec l'accès psychotique aigu, se référer au cours de l'accès psychotique aigu, avec les troubles de l'humeur, notamment l'accès maniaque. Dans ce cas de figure, il y a une absence du syndrome dissociatif et l'excitation maniaque est au premier plan. Pour les formes avec début progressif, le diagnostic différentiel se fait avec le délire chronique non dissociatif, se référer au même cours avec le trouble bipolaire. Et dans les formes catatoniques, le diagnostic différentiel se fait avec les formes catatoniques d'origine organique. Et comme on l'a dit, il faudrait bilanter toute personne ayant un syndrome catatonique. Il faut éliminer d'abord une origine organique, notamment une tumeur cérébrale. Chapitre prise en charge. Le but du traitement n'est pas uniquement de réduire les symptômes, mais assurer l'autonomie et la qualité de vie des patients, préserver leurs capacités cognitives et capacités d'adaptation, et assurer un soutien de l'entourage. Quels sont les défis de la prise en charge de la schizophrénie? La schizophrénie est une pathologie qui est difficile à prendre en charge vu que l'absence d'insight ou le manque de conscience de la maladie font partie des symptômes de la maladie. D'où une adhésion partielle au traitement de la part des patients. La fréquence aussi de la consommation de substances, notamment le cannabis, qui peut aggraver la maladie. Et plus les malades font des rechutes ou des poussées processuelles de leur maladie, moins le traitement est efficace, moins la récupération est lente. D'où l'intérêt d'une bonne observance du traitement chez ces malades. Quels sont les moyens thérapeutiques dont on dispose? D'abord, il y a le traitement médicamenteux. Le traitement médicamenteux, le pilier du traitement de la schizophrénie, c'est les neuroleptiques, qu'ils soient classiques ou atypiques. Les neuroleptiques atypiques, bon, on commence toujours par les neuroleptiques atypiques, c'est la pierre angulaire du traitement. Ils sont, je vous référais au cours des neuroleptiques, ils sont aussi efficaces que les neuroleptiques classiques sur les symptômes positifs, c'est-à-dire sur le délire et sur la dissociation. Mais par contre, ils ont une grande efficacité sur les symptômes négatifs, c'est-à-dire le syndrome déficitaire. Et ils ont moins d'effets secondaires extrapyramidaux. Les neuroleptiques classiques sont utilisés en deuxième intention, ils ont des effets secondaires extrapyramidaux. D'autres traitements peuvent être utilisés en fonction de la symptomatologie associée, notamment les antidépresseurs, si dépression associée, les anxiolytiques en cas d'angoisse psychotique importante, etc. Deuxième volet thérapeutique, c'est les traitements non médicamenteux, notamment les psychothérapies. Il y a d'abord la thérapie cognitivo-comportementale. Se référer, pour l'explication des TCC, se référer au cours des TCC. Les TCC, dans le cadre de la schizophrénie, visent principalement à développer de nouvelles compétences sociales et relationnelles. Rappelez-vous, on avait dit que le but du traitement, c'est d'intégrer le patient et lui dans la vie sociale et lui permettre une autonomie et une meilleure qualité de vie. Encourager aussi les patients à parler librement de leurs croyances, de leurs émotions, qui se fait, cette séance TCC se font soit en individuel, soit en groupe. La prise en charge non médicamenteuse comporte aussi la remédiation cognitive. C'est une forme de psychothérapie qui est destinée à améliorer les performances des patients en termes de mémoire, en termes cognitifs, en termes de mémoire, attention, concentration, etc. Les thérapies psychoéducatives, ce sont les plus intéressantes pour les médecins généralistes qui peuvent faire lui-même. Elles visent à enseigner aux patients les causes de sa maladie, les différents symptômes, les différentes options thérapeutiques possibles. Cette psychoéducation se fait soit dans le cadre de thérapies de soutien, soit dans le cadre de programmes plus spécialisés, notamment le programme ProFamille.
Les programmes de réhabilitation visent à améliorer les habiletés sociales et permettent une meilleure intégration sociale. Plusieurs exemples sont cités, notamment l'allocation adulte handicapé, hôpital de jour et la conception d'environnement protégé qu'on appelle appartement thérapeutique. Ce sont des appartements qui visent à. C'est des appartements thérapeutiques qui sont adaptés aux patients schizophrènes où on leur apprend à vivre et les habiletés sociales dont ils ont besoin. Dans les formes graves, dans les formes résistantes, l'électroconvulsivothérapie et la stimulation magnétique transcrânienne répétitive trouvent leur intérêt. L'hospitalisation a pour indication l'établissement d'un diagnostic, surtout au début de la maladie, la poussée processuelle de la maladie, c'est-à-dire la rechute, et quand il y a un risque d'auto- ou d'hétéro-agressivité. Quel est le rôle du médecin généraliste? Le médecin généraliste a un rôle important dans la prise en charge de la schizophrénie, surtout dans la prise en charge des patients qui sont stables, en complémentarité avec le psychiatre. Pourquoi? Parce que c'est la personne de confiance pour le patient et son entourage, parce qu'il a un rôle important. Il voit ses patients, donc il a un rôle important dans le dépistage précoce des troubles. Et il permet d'assurer un suivi somatique, parce que les patients schizophrènes sont des patients qui verbalisent très peu leurs souffrances physiques, verbalisent très peu leurs symptômes physiques. Ils sont souvent sous-diagnostiqués et leur pathologie somatique est sous-évaluée. Le médecin généraliste aussi a un rôle de promouvoir une meilleure hygiène de vie chez ses patients. Il pourrait aussi évaluer la compliance du traitement et il peut reconnaître précocement les signes d'une rechute. En conclusion, l'objectif thérapeutique ultime de la schizophrénie reste l'intégration du patient dans la société à travers son réseau familial et socio-professionnel. Je vous remercie.